Ah, ça partait d'une bonne intention. Je m'étais targué d'un joli discours, de te présenter ce que je faisais, le matériel que j'utilisais. Réussir à faire 20 minutes de bons petits sets avec les erreurs qui vont bien, le naturel et le spontané qui vont bien, et naturellement, si t'es Patreon, tu sais très bien le rapport que j'ai avec lui. Celui dont on ne prononce pas le nom m'a lâché en plein milieu parce que les batteries ne tiennent pas. Ainsi, au lieu de recommencer exactement les 20 minutes que je vais te faire, je te présente ce que j'appelle les hybrides sessions, qui sont simplement mes ateliers où à un moment, pour réussir à faire une chanson, il faut réussir à se lancer dedans. Donc je me suis posé avec trois instruments au choix, une bassie, mon Hanoué-Noué, un banjo, un looper RC5, un Marshall AS50, des micros, des caméras, et je me suis dit, tiens, si on réussissait à faire de belles choses. C'était beaucoup mieux dit dans la version précédente, qui n'existe plus. Et là, oui, tel que tu me vois, j'ai un petit peu les nerfs. Hey!
Voilà, alors que te dire, sinon que c'était mieux la première fois. C'est un petit peu toujours la même chose, non? T'auras pas échappé que je maîtrise pas encore exactement complètement le RC5, mais c'est un sacré jouet. Là, tu vois, le banjo, pour une fois, m'a pas trop inspiré. Alors, qu'est-ce qui me reste? Réussir à me ridiculiser avec des cuillères québécoises. C'est certes moche, ça ne mène nulle part. Il n'y a pas intro, il n'y a pas couplet, il n'y a pas refrain, c'est juste des couches qui vont les unes sur les autres. Mais ce petit gadget qu'est le RC5 te permettra de simplement avoir un sparring partner qui te fait cruellement défaut de temps en temps lorsque tu as besoin de bosser in situ. Attention! Dommage, je peux pas l'enregistrer celle-là. J'aurais dû prendre le RC300. Ah, j'aurais pu l'enregistrer en boucle, ça aurait été cool. Tiens, je vais tester un petit peu maintenant une Dulcie. Évidemment, vu que j'accorde aucun instrument avant, il y a un côté fanfare qui là commence définitivement à me plaire.
Ça m'a fait plaisir de te faire partager mes premières expériences avec ce looper. Quand je vois certains de mes potes ou certains artistes, ce qu'ils réussissent à tirer de cette petite machine qui est définitivement un instrument à part, je me dis que j'ai encore du taf. Mais qui dit du taf dit encore de grands moments de vie. Et c'est pour ça que j'espère que cette vie va durer encore longtemps, histoire que je puisse simplement ces trois instruments les maîtriser. Tu te doutes que cet épisode à la base devait être simplement un podcast et non pas moi qui me filme. Mais je me suis senti tellement ridicule pendant ces petites 20 minutes, j'espère que lui ne s'est pas éteint, que je rêve de voir ce que ça va donner. La prochaine fois que je le fais, je te jure, ce sera plus joli. I hope you enjoyed. À très vite.